Moi, c'est Aurore Monicard. Je suis comédienne, metteur en scène. J'ai fait un lycée théâtre à Avignon, une fac d'études théâtrales à Montpellier et à Paris, et les conservatoires parisiens. Et je suis rentrée à l'ESSAD, l'École supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. J'ai continué à me former régulièrement. J'ai eu la chance de bosser au Théâtre du Soleil avec Ariane Nouchkin. J'ai fait la formation de l'École du jeu avec Delphine Elliott. Et depuis 13 ans, je donne des cours pour les enfants du primaire et du collège de l'école alsacienne. Et là, j'entame ma quatrième année au cours Clément. Mon univers, ça serait plutôt la comédie dramatico-absurde. Dans mes ateliers, c'est pas moi qui choisis le texte. Jusqu'à présent, j'ai jamais fait. J'impose pas en fait, j'impose rien. Pendant toute la première partie de l'année, en dehors des cours, j'envoie des textes aux élèves, qu'ils lisent. Eux, bien sûr, ils peuvent m'en proposer aussi, avec grand plaisir. Donc on lit tout ça et on se met d'accord. En général, on trouve toujours, on tombe d'accord sur un texte qui nous plaît à tous. En fait, ça peut être. C'est ce que les gens ont envie et c'est en fonction du groupe. Je dirais c'est laisser beaucoup de liberté aux gens. Dans toute la première partie de l'année, j'ai pour habitude de commencer les ateliers par une période d'échauffement, un petit temps d'échauffement. Ça peut être un échauffement physique, ça peut être un échauffement, ça peut être de la relaxation, ça peut être un travail sur de la musique, ça peut être des jeux. Après, bien sûr, on va faire un peu de technique en fonction de ce que je ressens, de l'énergie du groupe, etc. On apporte des textes, soit les élèves en apportent, soit moi j'en propose, histoire de commencer à prendre la mesure de ce que c'est que le personnage, un personnage qui est écrit, rentrer dans la peau de quelqu'un qui est imposé par un texte, et puis tout ce qui a trait à l'interprétation, aux émotions. Je ne fais pas trop de lecture à la table, je ne parle pas des heures et des heures. Voilà, on improvise beaucoup et puis au fur et à mesure, ça se construit, ça se construit. Après, on réfléchit un peu sur les décors, les costumes. Mais j'essaie de faire ça aussi souvent par mail, en dehors des cours, de manière à ce que le moment de l'atelier soit un vrai moment où on ne passe pas des heures à discuter, mais où on passe beaucoup de temps sur le plateau, au maximum à s'amuser, quoi. Viens chez moi. Viens chez moi, on va s'éclater. Non, si tout ce que j'ai dit, si t'as pris la peine d'écouter tout ce que j'ai raconté, là, mon baragouinage d'avant, là, si ça t'a plu, welcome, quoi. Avec plaisir, on va bien s'amuser. Mon travail, à moi, c'est vraiment de faire en sorte de mettre les gens très à l'aise. Et mes outils pour ça, c'est l'écoute, la douceur et la tendresse.